Cette semaine, je vais vous expliquer comment faire un noir et blanc. Mais un noir et blanc bien, bien contrasté, de derrière les fagots, bien comme il faut. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, donc, je vais vous parler du contraste. Le contraste de luminosité. Parce qu'il y a plein de types de contrastes différents, du contraste de couleur, du contraste de flou, du contraste de plein de choses. On va parler surtout du contraste de luminosité. Donc c'est en gros la différence entre le clair et le foncé. Donc plus la différence est forte entre du très blanc et du très noir, plus ce sera visible et donc plus ce sera contrasté. Un exemple juste ici, j'ai un fond blanc, je peins en noir, vous voyez qu'il se voit extrêmement fort. Si par contre je peignais à peut-être 0,2% de noir, avec une brush très floue, et que je fais ça, et bah, j'ai peint quelque chose, mais vous le voyez pas. Enfin, ou en tout cas, on le voit très très peu. Je l'aperçois. Ça, on peut dire que c'est très contrasté, et ça, c'est pas du tout contrasté. Avant de passer sur Photoshop pour que je vous montre comment faire, il faut que je vous parle du type de lumière. Parce que on va pas pouvoir faire de la belle photo noir et blanc contrastée avec tout type de lumière. On aurait tendance à se dire, bon, bah, je vais prendre une lumière contrastée de base. Donc je vais prendre un gros soleil à midi avec des gros sombres et ça va me faire quelque chose de contrasté. Oui, mais non. Alors oui, forcément, vous passez en noir et blanc, votre photo sera de base contrastée. Ça, c'est certain. Et ça va fonctionner. Il y a plein d'exemples de graphismes en architecture ou autre qui fonctionnent très bien. Le gros problème que j'ai avec cette lumière-là, c'est qu'on n'a pas... On peut ne pas avoir de détails dans les ombres ou dans les clairs, dans les très sombres ou dans les très clairs. Juste à cause d'une histoire de dynamique. Et pour vous montrer ça, bah rien de mieux que vous montrer une image d'entrée d'église. C'est pas une photo faite donc avec un très gros soleil dehors. Mais par contre, on a une différence de luminosité qui est très forte. Puisque dans l'église, on a peu de luminosité, on est en intérieur. Alors, et dehors, il y avait un très gros soleil et donc du coup, une très forte lumière qui rentre. Et l'idée, c'est de réussir à avoir... la mariée et son père qui rentrent avec du détail. Et vous voyez, j'ai exposé pour avoir la mariée et son père avec le plus de détails possible. Si j'exposais plus clair, et ben du coup je cramais le fond totalement. Et si j'exposais plus sombre, et ben du coup j'avais encore plus de sombre ici. Je vais faire quelque chose d'assez graphique sur cette photo. Pourquoi votre appareil photo n'arrive pas à capter cette différence de lumière? C'est juste une histoire de dynamique. Plus vous aurez un appareil photo bas de gamme, moins vous y arriverez. Plus vous aurez un appareil photo haut de gamme, type même moyen format, normalement, plus la dynamique est forte. Donc du coup, plus vous arriverez à avoir du très sombre et du très clair. Notre œil est très très fort là-dessus. On arrive à être en plein soleil, à avoir le soleil dans la gueule et voir ce qu'il y a dans les ombres. Un appareil photo ne le peut pas. Faites le test chez vous. Une journée où il y a très gros soleil, vous n'allez pas y arriver. Vous allez devoir exposer pour le sombre et exposer pour l'éclair, et donc du coup faire un HDR, si vous voulez avoir vraiment les deux. Et le rendu sera pas forcément oufissime. Et ce que je viens de vous dire va avec une autre règle que je m'impose, c'est d'avoir du détail partout, c'est-à-dire d'avoir du détail dans les sombres et d'avoir du détail dans les clairs, dans les hautes lumières et dans les basses lumières. Pourquoi? Alors, je ferai un épisode là-dessus à un moment, mais une image qui fait professionnel, c'est une image où il y a du détail partout. Du détail dans les très sombres et du détail dans les très clairs. Il y a très très peu de bouchées, mais il n'y a pas une zone de cramé. Comme ici, si j'éclaire juste un petit peu, là vous voyez que ma zone est cramée. Si j'expose moins, vous voyez que ma zone devient grise. Même si je descends en haute lumière, ma zone devient grise et ça veut dire que je suis cramé à la base parce que je n'ai plus aucun détail. Mon capteur n'a capté aucun détail. Par contre, si j'augmente les ombres, vous voyez que mon capteur a quand même... capter ce qu'il y avait dans le très sombre. Donc au pire, je pourrais récupérer ce qu'il y a dans le très sombre. Ce type de lumière est très intéressante, il n'y a aucun souci là-dessus, mais par contre, elle est assez dure à gérer. C'est vrai que quand on a un mariage ou un reportage et qu'on a une lumière donc très contrastée, donc avec un gros soleil, ça devient très vite compliqué, ça crée des ombres pas belles, l'ombre du nez, les yeux très sombres, ça crée vraiment des choses pas belles du tout, et du coup, bah non, non, moi je préfère la lumière... où c'est très nuageux. Toujours, quand les mariés, quand on vient de dire « Oui, mais du coup, c'est cool, t'as un gros soleil, tu dois être content, il y a de la forte lumière. » Ouais, mais non, je préfère quand c'est nuageux, je préfère un peu plus basse lumière et avoir vraiment de la lumière homogène partout. Pour revenir sur ce que je disais, vous voyez sur cette photo de couple, le tunnel derrière, il n'y a aucune lumière dedans, donc ça devient noir derrière. Par contre, comme c'est noir derrière et que mes mariés étaient dans le rayon de lumière, bah, du coup, ils se voient, ils se détachent complètement du fond. Voilà, ça peut faire une photo où ils ressortent énormément du fond. Même réussir à récupérer quand même un petit peu de détails. Et également, juste pour vous montrer une dernière photo, cette photo-ci, qui a été prise sur un mariage où il y avait gros, gros soleil. L'image de base, c'était ça.
Et comme j'étais en plus à l'intérieur, parce que j'étais à l'intérieur du bateau, et que du coup elle avait une partie intérieure, une partie à l'extérieur, une partie avec un gros soleil sur elle, j'ai dû exposer vraiment au milieu, j'ai dû surexposer un petit peu mes hautes lumières pour pouvoir avoir du détail dans le sombre. Vous voyez que je suis quand même à la limite du détail dans le sombre, donc là ça me permet d'avoir du détail à peu près partout, et après donc du coup en post-traitement, j'ai réussi à faire quelque chose. Avec pas mal de retouches localisées, réussir à faire quelque chose qui était à peu près correct. Mais il y a un petit aspect HDR qui me gêne un tout petit peu sur cette photo. Je vous disais tout à l'heure, ce que j'aime comme lumière, c'est une lumière diffuse. Donc une lumière comme ce qu'on a aujourd'hui, vous ne voyez pas, mais je le vois par la fenêtre, c'est une lumière très diffuse, une lumière avec des nuages, donc une lumière avec ce qu'on pourrait appeler donc une grande softbox. En studio, ce serait une énorme softbox qui donnerait une lumière très diffuse avec très peu d'ombre. Voici quelques portraits et quelques photos que j'ai pu faire avec une lumière assez douce et donc du coup avec le contraste assez fort derrière. Vous voyez, on a un visage très clair et on a des cheveux par exemple très sombres. Pareil, on a un visage très clair, des yeux un peu plus sombres et un fond assez sombre. Là, pareil, on a quelque chose qui ressort beaucoup sur le clair, sur le visage. Là, on a du détail partout, ce que je disais qui était très important pour moi. Et quelque chose de très clair, et en même temps des très clairs et des très sombres. Là pareil, on a un visage très clair et un fond très sombre. Là pareil, on a quelque chose de très clair ici, quelque chose de très sombre autour. C'est vraiment des lumières que j'affectionne énormément, et autant, bon ça a été pris un jour nuageux, donc du coup aucune grosse lumière. Ça c'est vrai que ça a été pris avec un gros soleil dans la gueule, mais c'est juste que je l'ai complètement caché. Bon maintenant passons sur Photoshop pour vous expliquer avec ces trois photos-là, donc des photos prises avec une lumière très peu contrasté, comment en faire un noir et blanc très contrasté. Hop. Donc Photoshop. Je fais CTRL-O pour ouvrir une première photo qui va être le portrait. J'arrive directement sur Camera Raw et pour analyser vite fait la photo, donc on est à l'ombre. C'était un jour où il y avait quand même beaucoup de soleil, mais je m'étais mis à l'ombre. Donc du coup, avec une lumière très douce puisque je suis à l'ombre. Il n'y a pas une grosse lumière qui arrive sur elle. J'avais un fond assez sombre puisque le fond de l'eau était sombre. Une peau blanche, donc une peau blanche renvoie pas mal de lumière. Je vais commencer directement, je la veux en noir et blanc, hein, donc je vais passer directement ici, dans le niveau de gris, c'est le quatrième onglet, et convertir ma photo en niveau de gris. Vous voyez directement que ma photo, juste avec un passage en niveau de gris en automatique, me fait une photo quand même super grisouille. Ça, c'est la définition d'une photo grisouille. On a des teintes claires qui sont assez grises et des teintes sombres qui sont assez grises. Donc en fait, on ne voit pas l'un et l'autre. On voit pas, il n'y a pas de grosse différence entre les deux. Je vais passer ici sur le premier onglet et je vais déjà régler mon exposition. Je pourrais régler mon contraste, mais si je règle mon contraste à fond, vous voyez que mes blancs ne deviennent pas très blancs et que mes noirs par contre deviennent très noirs. Donc ce n'est pas forcément top. Je vais d'abord un peu surexposer ma photo puisque je vais l'exposer pour le blanc que je veux sur le visage. Là, on est pas mal. Je rajoute plus 1 en diaph. Et là, maintenant, je vais pouvoir jouer sur du contraste. Et là, j'augmente mes contrastes. Donc là, on a une photo qui est du coup, maintenant, est pas trop mal. Le problème, c'est qu'en contrastant, du coup, je suis venu perdre du détail ici, dans les traits sombres. Donc, c'est pas exactement ce que je veux. Ouais, je vais réduire un petit peu. Et je vais diminuer un petit peu mes tons foncés. Donc, pour les assombrir. Je les assombris. Donc là, je perds un petit peu. Mais je vais venir compenser ça par les noirs en dessous. Et les remonter un petit peu. Et donc là, je récupère un petit peu de détails dans le noir ici. Et pour les blancs, du coup, je peux augmenter un petit peu mes tons clairs, descendre un petit peu mon blanc. Et si je fais l'avant-après, on va faire l'avant-après juste sur les réglages, vous voyez que je suis passé de quelque chose de très grisouille à quelque chose de beaucoup plus contrasté, de beaucoup plus sympa, tout en ayant le plus de détails partout. Je perds un tout petit peu de détails là, puisque du coup, les cheveux ont pris beaucoup de sombre à cet endroit-là. Donc je peux prendre le pinceau de retouche localisé ici. Donc j'ai peint ici et là dans le noir et je vais juste réaugmenter un petit peu mes tons foncés. Et vous voyez que je viens de récupérer le détail dedans, détail dont j'ai besoin, très important. Vous voyez, si j'enlève le niveau de gris, vous voyez qu'ici c'est bleu puisqu'on est dans le sombre et dans le sombre, les ombres sont toujours assez froides. Et on a plutôt du rouge sur son visage. Donc comme j'ai augmenté mes contrastes, ça m'a augmenté ma saturation. Donc là c'est pas très beau en couleur. Je vais prendre cet outil-là, l'outil ici, l'outil qui est mélange de niveau de gris, et je vais piquer un endroit où c'est bleu, et je vais descendre, et vous voyez que je réduis un petit peu la luminosité, donc je suis un peu plus sombre. Okay? Et je peux faire pareil ici sur le visage, réaugmenter un petit peu mon visage, et là si je fais l'avant-après, bon, forcément il me remet en couleur, mais on a quelque chose de plus contrasté. Je peux venir jouer également, pour contraster un minimum après, sur la clarté. Et la clarté, n'en abusez pas, parce que ça devient évidemment très contrasté, mais trop micro-contrasté, ça devient moche. Donc du coup, vraiment,
juste un tout petit peu, ça suffit. On est pas mal, je fais ouvrir une image, et on a une bonne base. Là, vous voyez que ça m'a ouvert donc ma photo, donc j'ai mon arrière-plan qui est comme ça, c'est pas ma photo de base, c'est ma photo directement passée sur Camera Raw. On verra dans un autre épisode, dans un tout petit épisode, comment utiliser différentes façons Camera Raw. Vous pourrez le voir aussi dans une grosse formation qui va sortir dans 3 semaines, quelque chose comme ça, sur Photoshop. Ouais, le guide ultime Photoshop qui va sortir. Enfin, après le guide ultime Lightroom, le guide ultime Photoshop. Si il est déjà sorti, vous avez la fiche qui est ici. Donc là, je vais faire du dodge and burn. Dodge and burn, je vous rappelle, c'est de pouvoir éclaircir des sombres ou assombrir des sombres, et éclaircir des clairs ou assombrir des clairs. C'est venir assombrir ou éclaircir certains endroits de la photo. Pour cela, je vais créer un calque de courbe. Et en fait, comme ma photo a été ouverte en niveau de gris, si on va dans Images, Mode, je suis en niveau de gris, non pas en RVB. Et j'avoue que j'étais, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je ne sais pas pourquoi il fait ça, si certains le savent, pourquoi Photoshop fait ça. Bah, je sais pourquoi il l'a ouvert au niveau de gris, parce que dans Camera Raw, je l'ai mis en niveau de gris. Mais du coup, là, ma courbe, elle est inversée. Le blanc est en bas à gauche, et le noir est en haut à droite, alors que c'est l'inverse, normalement. Donc si j'augmente, ma courbe, elle devient noire, et ma photo devient noire, et si je la baisse, elle devient blanche, ça s'éclaircit. Je ne sais pas pourquoi. Donc bon, c'est pas grave. J'en fais une sombre ici, tac. Je peux la dupliquer et je vais la mettre en clair. Vous voyez que ça contraste à mort, mais c'est pas très beau. Et les masques de fusion, je vais appuyer sur CTRL-I pour passer le masque de fusion en noir et donc du coup qu'il n'agisse nulle part. Je vais d'abord, donc ici, on est d'accord, ce sont les sombres. Hop, les sombres et les clairs. Je vais venir peindre avec une brush assez grande, avec une dureté à 0%. Et je vais peindre par exemple à 20%, donc vous avez l'opacité ici. Et je vais peindre en blanc pour pouvoir du coup faire agir le masque de fusion sombre. Et hop, je le mets dans les noirs ici. Comme je rends plus noir autour et je vais rendre un peu plus clair le visage, du coup ça va contraster encore plus. Maintenant je peux faire pareil sur le clair. Je vais venir peindre à 10% cette fois-ci sur le visage. Vous allez voir, je vais zoomer juste après. Je veux faire juste ressortir un petit peu ici les tendons et un petit peu la clavicule. Parce que hop, je tiens bien ça. Et je vais juste assombrir aussi, essayez de le faire le plus dézoomé possible, parce que du coup vous verrez quand vous merderez. Maintenant je vais venir zoomer pour aller travailler en clair juste cette partie-là. Vous voyez ici c'est un peu sombre. Vous allez me dire, oui mais du coup ça crée du contraste, puisque du coup tu as dit Seb qu'il fallait du blanc et du sombre. Oui, donc déjà c'est gris donc c'est pas top. Et en plus c'est une lumière qui est pas forcément, enfin c'est des ombres qui sont un peu disgracieuses pour moi, et qui annulent un petit peu, enfin qui viennent endommager un petit peu la photo. Donc du coup, je vais juste venir peindre ici, vous voyez que je peins toujours à 10%, et je vais juste venir atténuer les ombres. Je les enlève pas, je les efface pas, je prends pas un outil correcteur pour les effacer. Je viens juste les atténuer. En sombre, je vais augmenter un tout petit peu sur les lèvres pour qu'elles se voient un petit peu plus, et un petit peu hop, sur les sourcils. Et maintenant, je vais passer à l'œil, et dans l'œil, je vais peindre à 30%. Je peins en plus clair, hop, les endroits qui sont déjà clairs. Pareil pour le deuxième œil. Essayez de ne pas y aller trop fort. Bon, vous connaissez cette technique puisque je l'ai dit dans le premier épisode de F1.4. Mais essayez de ne pas y aller trop fort parce que on a tendance au début à vouloir y aller un peu fort. Parce qu'on dit, ah ouais, tiens, c'est cool, trop, ça te fait trop bien et tout. Ouais. Mais vous allez perdre tout le détail et ça va rendre irréel. Pour savoir si ça rend irréel, bon, c'est un petit peu le problème par exemple quand je post-traite des photos, ce que j'ai un peu fait cet été sur Photoshop, les épisodes d'été, c'est que il faut souvent se prendre 2 heures, 3 heures, voire 2 jours, 3 jours. Pour juste se reposer les yeux et revenir sur son traitement. Et ah ouais, là, j'y étais peut-être été un peu fort. Et donc, là, on n'a pas 2 heures ou 3 heures, puisque j'enregistre cet épisode. Et je fais juste l'avant-après en appuyant Alt. Et l'œil ici, et je vois si j'y étais un peu fort ou pas. Ça, c'était à ma sortie de Camera Raw. Et maintenant. Et je trouve que je suis pas mal. Si je trouve que j'y étais un petit peu fort, et ben, je peux réduire juste l'opacité, par exemple l'opacité de mon sombre. Je peux juste réduire un petit peu l'opacité ici. Et en fait, chose que j'avais pas tilté là-dessus avant, c'est juste qu'en faisant ça, ben, j'enlève les réglages et donc je crée un contraste fort entre l'avant et l'après, ce qui me permet de mettre en avant ce qui me choque. Ça permet de mettre en avant toutes les retouches que j'ai faites. Parce que si je regarde juste en peignant, et ben, du coup, comme j'y vais tranquillement à 10 ou 20% avec une petite brush, ben, je vois pas vraiment les modifications et je peux aller trop loin. Donc le fait d'enlever et de remettre, et ben du coup, je me dis, ok, on est pas mal. J'ai fini pour cette photo. Je vais peut-être juste éclaircir encore un petit peu. J'aime bien éclaircir un petit peu le visage, globalement.
Peut-être était un petit peu fort, j'étais à 30%, je vais me mettre à 15%. Bon, je pourrais y passer longtemps, je passe sur la deuxième photo. La deuxième photo, donc, une photo de rue. Et sur cette photo de rue, donc une photo de rue qui a été prise dans l'épisode, vous savez, où je fais un défi photo de rue à l'aveugle. Et sur cette photo-là, il y a deux manières de faire du noir et blanc, mais je vais le faire du coup sur tout sur caméra RAW, parce que là, je vais vous montrer vraiment des réglages. Je passe ma photo du coup en noir et blanc. Vous voyez que ça devient grisouille, comme tout à l'heure. Donc, je fais la même chose, j'expose un peu plus. Et je contraste à mort, non, un petit peu. Donc là, du coup, sur Fanny, c'est quand même pas mal. Ce que je peux faire, c'est juste baisser encore un petit peu mes noirs, puisque du coup, je récupère là, enfin, il y a beaucoup de détails partout. C'est une photo qui est bien exposée, donc il y a beaucoup de détails partout. Le problème ici, c'est que c'est très clair et que ça attire l'œil. Donc je vais prendre un filtre radial ici, et je le passe juste autour, avec pour centre, donc la tête de Fanny. Hop, je réinitialise. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre un petit peu l'exposition. Léger. Je vais descendre un petit peu mes tons foncés, réduire un petit peu mes tons, surtout réduire mes tons clairs. Peut-être pas l'exposition. C'est de l'ajustement, hein. Tout ça, c'est vraiment de l'ajustement. Tac, et si je fais l'avant après, je dirais qu'on se recentre quand même sur elle. Alors je regarde si je suis pas trop bouché, vous voyez que je suis bouché là. Je dirais que c'est acceptable. Si vous appuyez sur Alt et sur ton foncé, ton clair, blanc ou noir, vous allez... Non, ça marche pas sur les, sur les filtres gradués, sur les retouches localisées. Je vais vous montrer ça juste après. Je reviens, hop, pour vous montrer ça, je reviens en mode normal et je peux appuyer, vous voyez, sur Alt avec noir. Et là, bah, ça affiche en blanc tout ce qui est bien exposé, tout ce qui est noir, c'est tout ce qui est bouché. Donc du coup, je peux juste essayer de remonter un petit peu mes noirs, voir pareil mes tons foncés. Mais le problème, c'est que ça me décontraste le tout derrière, donc c'est un petit peu difficile. Là, on a une photo qui est assez contrastée, et je veux surtout vous montrer avec cette photo-là qu'on peut aller très fort dans les réglages. Je peux ici monter mon exposition. J'augmente mon exposition à fond. Et là, vous me dites, ouais, mais il est fou, là c'est complètement surex, quoi. Ouais, je sais. Et c'est pour ça que je vais augmenter aussi mon contraste, et je vais baisser mes tons clairs. Je vais voir, je reviendrai peut-être. Baisser mes blancs. Baisser, du coup, aussi mes noirs pour qu'ils soient plus forts. Bon, j'y étais peut-être un petit peu fort sur l'exposition, mais donc du coup, j'ai monté mon contraste à mort. J'ai descendu ici mes blancs et mes noirs. Là, vous voyez que ça devient un peu bouché à certains endroits. Donc, je vais éviter d'aller trop fort. Et je peux redescendre un tout petit peu encore mon exposition. Et là, j'ai une photo qui est du coup, hop, re-très contrastée, avec des tirettes qui sont vraiment aux extrêmes. Et ça, c'est un truc, on a du mal à le faire, on a du mal à se dire, bon, on fout les tirettes aux extrêmes, ça va réussir à faire quelque chose. Bah si, ça marche. Et bon, là, oui, c'est bouché un petit peu, mais je peux très bien venir avec un pinceau où j'augmente un tout petit peu mes tons foncés. Alors, le problème, c'est que les tons noirs sont un petit peu complexes dans la retouche localisée. J'en parle dans la grosse formation et j'en parlerai dans un épisode aussi. Et je viens peindre les endroits qui sont un petit peu bouchés. Et donc du coup, ça me permet de récupérer du détail dedans. En fait, le noir va permettre d'enlever complètement le boucher, mais ça va pas vraiment totalement récupérer du détail. Donc vous pouvez jouer peut-être à plus 1, plus 2. Et là, vous voyez, hop, bah, j'ai complètement enlevé le boucher. Et je peux même me dire que là, c'est encore trop clair, donc je crée un nouveau. Je viens peindre ici, et je descends un petit peu encore mes tons clairs, voire descendre mes blancs. Non, mes blancs, ça devient gris. Donc je descends un petit peu l'exposition ici, parce que je trouve qu'il est un peu trop exposé pour que Fanny ressorte un peu plus, peut-être un peu trop d'ailleurs. Tout ça, c'est une balance à faire. Je veux juste vraiment vous montrer que c'est une balance à faire, qu'il n'y a pas de réglage ultime. Je vous montre juste différentes façons d'y arriver. Et là, du coup, bah, on a une photo qui est pas mal exposée. Je reviens en normal. Je peux peut-être juste aller ici dans les courbes pour peut-être augmenter un tout petit peu comme ça. Et là, on a une photo vraiment bien contrastée, comme j'aime. Je peux même peut-être encore rajouter un petit peu de clarté. Et si je fais l'avant-après, vous voyez, on a un noir et blanc qui est très contrasté avec du détail partout. Et ça, c'est cool. Allez, j'ouvre l'image et je vais passer sur la dernière. Là, je vais même pas faire quelque chose sur après, hein, c'est juste du caméra RAW. Et je prends la dernière, qui est une photo de mariage, prise le matin, très tôt. Oui, le soleil n'était pas vraiment encore levé, ou il y avait un nuage. Non, le soleil n'était pas encore levé. Là, je vais utiliser les couleurs. Alors, c'est le problème des mariages, c'est qu'on a du blanc et du très sombre. Il y aura blanc et un costume très sombre. Donc, on a des contrastes très forts. Mais l'idée, c'est de garder du détail partout. Si vous n'avez pas de détail dans votre robe, votre photo n'est pas belle. C'est vraiment un truc. Votre photo n'est pas bonne. Pas n'est pas belle, n'est pas bonne. Donc là, bah, j'augmente mon exposition. Je contraste. Hop, je réduis un petit peu mes teintes claires pour récupérer un petit peu de détail dans la robe. Un petit peu de détail aussi dans les teintes foncées pour lui. Et je vais venir
même ici dans la courbe, créer une courbe en S. Donc courbe en S, bah, c'est ce qu'il y a de plus contrasté. Hein. C'est je diminue mes teintes sombres, j'augmente mes teintes claires. Donc ça augmente les blancs, ça augmente les clairs, ça diminue les sombres. Et du coup, bah, vous voyez que ça fait quelque chose de très contrasté et là pas très beau. Donc je fais juste une petite courbe en S et je vais venir la passer en niveau de gris. Et on a quelque chose qui est déjà assez contrasté. Je vais juste augmenter un petit peu mon exposition, parce que je veux qu'ici, sur la main, ce soit plutôt assez clair. Le problème, c'est que du coup, sur la robe, ben, ça devient plus très bien. Donc je vais descendre ici un petit peu mes blancs et je récupère. Je augmente un petit peu ma clarté. Et là, déjà, on a quelque chose de pas mal contrasté. Je reviens ici dans le mélange de niveau de gris. Et je vais prendre l'outil dont j'ai parlé tout à l'heure pour descendre un petit peu les bleus. Donc on a quelque chose de plus sombre sur lui. Et je vais descendre aussi les rouges, parce que vous voyez qu'il c'était en rouge. Alors le problème, c'est que si je descends les rouges, bah, ça descend le rouge de la main, donc c'est pas beau du tout. Donc en gros, bah, du coup, j'ai plus qu'à faire maintenant de la retouche plus localisée avec le pinceau ici. Je descends mes tons clairs, je descends un petit peu l'exposition. Je viens assombrir là. J'assombris ici, tac, un peu ici aussi. Du coup, ça les permet de se faire ressortir. J'en fais un nouveau. Je réinitialise les réglages ici pour juste remonter un tout petit peu les tons foncés. Et ben du coup, là, vous voyez qu'on a une photo qui est assez contrastée de base et qui marche plutôt bien. Voilà ce que je voulais vous montrer sur comment faire un noir et blanc contrasté. Moi, pour moi, le contraste, c'est la vie. Donc, du coup, forcément, faites juste attention en couleur. Quand vous augmentez le contraste, vous augmentez la saturation. Faites juste attention à ça. Je voulais juste vous dire que dans 2-3 semaines, il y a une grosse formation, le guide ultime Photoshop qui va sortir pour apprendre toutes les bases de Photoshop. Donc si vous ne connaissez rien en Photoshop, ben, vous connaîtrez des choses sur Photoshop pour pouvoir vous amuser dessus et pouvoir commencer à post-traiter bien vos photos. Et si vous connaissez déjà un petit peu Photoshop, ça vous permet de revoir les bases et d'en apprendre d'autres également. Et vous pouvez récupérer toujours une formation gratuite sur Photoshop, donc pas celle dont je viens de parler, mais une formation gratuite sur Photoshop d'une heure en cliquant ici. Et ben pour ma part, je vous dis maintenant dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.